Yo, la famille, c'est comment? C'est votre homme serviteur. Hérito pour vous servir. Les gens parlent, parlent. Mais Dieu nous bénit toujours. Voilà, cette nouvelle vidéo-là, c'est pour parler un peu à mes deux artistes. Voilà. C'est un problème très sérieux. Et je pense qu'on doit résoudre ça le plus tôt possible. Je vous rappelle déjà que votre concert, c'est pour ce 29 décembre 2018. On n'a pas dit 29 décembre 2019. Hein. C'est pas dans un an. C'est dans moins de 2 mois. Et c'est bizarre, je sais pas si c'est vous le problème ou bien c'est le problème de l'organisateur. Mais franchement, essayez de vous réveiller. C'est vrai que nous, on va se battre sur le terrain. On va faire tout pour payer tous les tickets qui vont sortir. Mais quand même, montrer aux gens qu'il y a un concert qui existe, quoi. Vous voyez, c'est pas intéressant qu'on est là. C'est comme s'il n'y a pas de concert. Je ne sais pas si vous comptez seulement sur votre code de popularité ou bien sur votre célébrité. Mais franchement, c'est pas intéressant comme ça. Normalement, on devait avoir tous les panneaux placardés annonçant le 29 décembre 2018. Et jusque-là, rien. Pourquoi? Oui, pourquoi? Je vous pose la question parce que je n'arrive pas à comprendre les amis. Est-ce que les amis de vous avancent, c'est normal? Est-ce que c'est normal? Nous, on est en train de prier, de faire les jeunes prières pour la réussite de ce concert-là. Et puis bon, on ne sait pas si c'est nos artistes qui foutent la merde. On ne sait pas si c'est l'organisateur même peut-être qui est embrouillé. Il ne sait pas par quoi commencer. Qui vient de prendre conseil avec nous? Nous, on allait à l'école pour ça. Voilà, on peut l'aider. On peut l'aider. Et puis moi-même, je connais une structure qui a tout le matos. C'est-à-dire... que ce soit les podiums, la dimension que vous voulez, la sonorisation, comme on dit, dernier cri, haute définition, les écrans géants, tout ce que vous voulez. Voilà, c'est parce que quand tu as venu parler, on dit, bon, tu viens chercher l'argent sur le dos des gens. Bien au contraire, s'ils me contactent, peut-être que l'organisation va payer moins que 600 pays, prendre ça ailleurs. Vous voyez, nous, on est prêts pour ce concert-là. Nous, on ne parle pas pour parler. Nous, on ne parle pas pour parler. Et si ça veut dire que, par exemple, l'organisateur me contacte pour dire que, ah, petit, tu as dit que tu as une structure qui est en place, qui a tout le matériel pour le concert. Ils vont témoigner, peut-être qu'ils vont me présenter le jour du concert sur le podium, qui sait. Là, peut-être que tout le monde va connaître Territoire, ils vont me rendre gré un peu. Sérieusement, pour être un peu plus sérieux, mais ce que j'ai dit, c'est pas fou. Hein. Je travaille dans une structure, je suis conseiller commercial, s'il vous plaît. Voilà. Un peu, si vous voulez, comme un consultant commercial. Voilà, parce que je travaille avec plusieurs sociétés. Mais je suis plus permanent avec la société SFM Bash, qui est leader de l'architecture événementielle. Donc, les amis, faites la communication. Parce que votre plan de communication, si ce n'est pas Didier Arafat et Debordeaux qui essaient de faire des posts, qui en parlent dans les vidéos, franchement, je ne peux pas concevoir qu'il n'y a pas de spot annonçant le 29 décembre 2018. Parce que moi, je n'ai pas encore vu. Les panneaux 12 mètres carrés, là, je n'ai pas encore vu. C'est quoi le problème? C'est l'argent, il n'y a pas. Orange a mis le blé. Décaisser une petite partie pour faire la communication, même si nous, on est prêts pour le concert. N'abusez pas, les amis. Là, je m'adresse à mes artistes et puis à l'organisateur. Hein, parce qu'on ne peut pas être là. On veille, les amis, je vous mens pas, on veille. On cherche à réfléchir comment on va faire pour relever ces défis. Parce que vous ne savez pas, la suite de votre carrière dépend de ce concert-là. Arafat et Debordeaux, déjà, je vous le dis, la suite de votre carrière là, dépend de ce concert-là. Donc prenez-le au sérieux. Mettez boulet dans la communication. Vous avez vu, concert à la 4500 places seulement de Kedjivara, là, regarde comment il a tué sa communication. Je veux que Kedjivara m'a fait publicité sur mes vidéos. Non, il ne s'est pas amusé, Oran ne s'est pas amusé. Donc, on me dit qu'Orange est sponsor de ce mouvement-là et puis la communication n'a pas encore démarré. Vous cherchez quoi? Vous comptez trop sur nous les fans, quoi. Comme nous on est gamés, on paye vos tickets, vous forcez plus. Non, bougez-vous. Moi, j'ai besoin de voir la communication de cet événement-là. Ce n'est pas petit événement. Ça fait combien d'années? Au moins, ça dit 15 ans, on rêvait de ça. Dieu a fait, Dieu a touché votre cœur. Vous vous êtes réconciliés. Mais on ne sent même pas la communication. On ne sent même pas de publicité autour de ce concert-là. Si ce n'est pas nous, force à déborder avec quelques personnes, quelques fans qui en parlent dans les rues. Les gens sont prêts pour payer les tickets là. Les gens sont prêts pour payer les tickets là. Monsieur l'organisateur, les gens sont prêts pour payer les tickets. On est en tas. Moi j'encourage tous les autres concerts. Il y a Fally même qui fait un concert à la 1500 places à l'hôtel Ivoire le 28. Et puis je crois bien à l'Ivoire Golf aussi le truc le 30. Il y a trop de concerts. Il y a trop de concerts. En restant sur les affiches sur les réseaux sociaux là. Non, moi je suis pas d'accord avec ça. Il faut qu'on parle de ça, nostalgie, sur toutes les plateformes. Choses hors de télé, sur toutes les plateformes radio, commencer la communication. Parce qu'il y a un problème de communication et moi ça me dérange. Moi je parle de tout ce qui me dérange. Voilà, j'ai fait une petite pause et puis j'ai continué mon allocution. Je vais m'adresser encore aux fans de Bordeaux et de Didier Arafat. Les amis, moi je vous dis simplement quelque chose. Laissons les Nkunku là, concentrons-nous sur nos concerts. Laissons les Nkunku là, commençons à nous concentrer sérieusement sur ce concert là. On doit faire du jamais vu. On était séparés, on a gbé. De chaque côté, on a gbé de chaque côté. BAU était gbé, l'espace n'est pas de la culture était gbé. Vous voyez un peu, non? On doit plus se concentrer sur les détails.
Ce que vous voyez autour actuellement là, moi je considère ça comme des détails. Ça compte même pas. Ça n'effraie même pas mon cœur. Ici, serein. On dirait moustique. Si Emmy, si tu as tapé, toi, c'est que tu connais le problème. Donc soyez serein comme moi. Ce conseil-là, il va réussir. Même nos ennemis vont applaudir. Ouais. Ils vont applaudir comme jamais, les amis. Et je ne vais pas vous blaguer. Hein. Si vous êtes positif comme moi, et ça sera comme un record où il y a des artistes, mais la nouvelle génération va vouloir faire comme nous. Donc on doit mettre la barre très très haute. Voilà, laissons les histoires là. Lui là est mon sorcier, laissons-les. Ils vont mourir de leur propre venin. Oui, ils vont mourir de leur propre venin. Moi ici, serein les amis. Aïe, c'est nous on paye ticket là. C'est nous on paye ticket là. Non. Faites comme moi aussi. Ceux qui font les vidéos là, dites à Arafat, dites à Debordo, dites aux organisateurs, dites même à Orange, ils n'ont qu'à commencer la communication. Ils n'ont qu'à mettre plus de paquets que même Kejwara là. Oui, non, c'est pas de l'amusement, on n'est pas venu pour s'amuser. On n'est vraiment pas venu pour s'amuser. On est là, je suis là, il est toujours, il veille ici, il voit Musique TV, il veille ici, Trace FM, je veille partout, je vois rien. Aucune communication, on ne sent pas. Oui, c'est parce que les gens m'appellent tout et me disent, mais c'est comment votre conseil, même si c'est sûr que ça s'est passé. Pourquoi on peut dire ça? Oh, le conseil va se passer. Orange a validé. Commencez communication, là, commencez la com, là, commencez. Bombarder Abidjan. Il faut que les gens pensent qu'il y a un seul conseil en fin d'année. C'est le 29 décembre 2018. On doit mettre bouler dans les yeux. Ah, mais qu'est-ce qu'il y a? C'est après que vous allez avoir votre jeton, vous allez avoir votre cachet. Mais nous, les fans, on ne veut pas avoir honte. Oui, on ne veut pas avoir honte. Et parce qu'on ne veut pas avoir honte, on vous pousse. On vous pousse à bout. Ce conseil doit être une réussite totale. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, en fait, vous ne me connaissez pas. Toi, Debora, mais tu me connais. Même si c'est la mine qui t'a fatigué, elle me connaît. Aïe, on est là, 29 décembre, c'est après demain. Mais on dirait, c'est pas conseil. Vous connaissez sur votre Facebook, sur votre Instagram? Non, arrêtez ça. L'argent a donné un peu aussi à la communication. 100 millions et quelques là, donné un peu aussi à la communication. Il faut qu'il fasse une grosse com sur cet événement-là. Ce n'est pas l'événement de l'un d'entre vous, c'est vous deux, votre événement. C'est vous deux. Voilà. Nous, on veut voir la communication de ça là. On veut voir la magie. C'est quand on voit la communication, on voit les effets, le spot vidéo. On est en jaille, on voit le Daishikan et le Mimi ici, les panneaux 12 mètres carrés dans les rues d'Abidjan. On est fiers, c'est ça qu'on veut. Mettez paquet. Si vous pouvez m'enlever dessus votre argent, faites une grosse com là, faites ça. Oui, si c'est ticket là, ça va finir. C'est pourquoi il y a certains fans qui sont embrouillés et les petits sont en train de nous défier et c'est quel affront et c'est des conneries les amis. C'est nous un petit tiki là, c'est nous on va finir les tiki là. Les tiki vont finir avant les choses, oh truc, le jour même du concert. Oui, c'est moi qui vous le dis. Aïe, il y a des Marocains qui n'ont pas l'an comme nous. On est en train de cotiser, moi j'ai déjà réuni, on a des 5 tickets, ça dort. La billetterie, moi je ne sais pas à quel moment ça a sorti, c'est dans décembre ça a sorti. Faites un truc un peu comme les blancs, tricher un peu les blancs. Non, franchement, moi je suis pas content. Hein. Moi je suis pas content. Je veux une com. Faut que la com démarre maintenant. Les fans ont besoin de voir qu'il y a vraiment un conseil, le conseil de leur idole. Oui, des DJ Arafat et des Debordo. On doit savoir ça maintenant. Les réseaux sociaux, on a assez vu. Mettez boulet à la télé, mettez boulet dans les radios, mettez boulet dans les rues. Au lieu de vous affichez partout. Aïe. Même moi, ma maman ne sait pas qu'il y a un conseil de trucs. Les DJ Arafat et des Debordo. Ouais, les fans des Debordo. Est-ce que c'est normal ça? C'est moi qui lui parle de ça. Elle m'a dit que mais on voit rien, on voit rien. Et oui, on voit rien. Aïe, Nakamura a fait comme ça en décembre, il y a des affiches partout, partout. N'abusez pas, hein, abusez pas. Ce conseil-là va réussir. Ouais, Dieu a sa main dedans et ça va réussir. Bouler. Les morts même de l'extrait sont déjà oui. Mais ils sont là, ils sont en train de réfléchir un peu parce qu'ils ne voient rien de concret. C'est toi, Edith, la personne qui fait publicité. La structure, on ne la connaît pas. C'est qu'elle a fait ça. Ah. Arrêtez ça, bougez-vous. Nous on veut voir la communication de ça là, on veut voir la communication. Le conseil du siècle, le conseil de l'année. Il n'y a pas deux conseils. Les amis, il n'y a pas deux conseils. Partagez la vidéo là. Oui, vous devez partager cette vidéo là. Partagez cette vidéo là, envoyez ça à Rafa, envoyez ça à Debordo. Dites-le que c'est Eriton qui a dit. On veut une bonne communication. Vous ne confondez pas. Je suis célèbre, donc je profite de ma célébrité. Pour faire une petite, un semblant de communication là. Et puis, je sais faire la communication. C'est deux choses différentes, les amis. C'est pas la même chose. Si vous n'avez pas fait communication de cet événement là, donnez ça à des structures bien adéquates. Ils vont faire le travail propre pour vous. Voilà. On ne peut jamais poteau et on ne va jamais taper poteau. Je compte sur la Chine, je compte sur la Légion.
Je consulte tous les fans du Coupé de Cali. On doit relever ce défi-là. C'était Irito. Partagez la vidéo, on est ensemble. Que Dieu vous bénisse.